Salut à tous, salut à toutes, très heureux de vous retrouver, bienvenue à cette rubrique d'information. Accompagné du président de l'association Les Maires du Sud, M. Frisnel Chéri, le délégué départemental du Sud, Serge Chéri, a remis plusieurs lampes au directeur du centre semi-autonome de l'EDH des Cailles, Alex Jean-Di Douilly, ce mardi 21 janvier 2020. Ces lampes ne pouvant éclairer toute la ville seront installées dans des zones spécifiques et stratégiques, rapporte Serge Chéri. Le boulevard des Quatre Chemins, Charpentier, l'entrée de Gelée, Croix des Quatre Chemins vers l'hôpital de Cité Lumière, première grand rue, deuxième grand rue sont des zones entre autres qui recevront ces lampes selon un document produit par des ingénieurs de l'AME Sud et de la délégation, déclare le président de l'AME Sud. Ce document servira de guide aux techniciens du centre semi-autonome de l'EDH des Cailles lors de l'installation de ces lampes, conclut Frisnel Chéri. Le directeur du centre semi-autonome des Cailles, Alex Jean-Di Douilly, de son côté, demande à la population cayenne de protéger ses lampes, qui les protègent contre l'insécurité. Il a remercié le délégué et le président de l'AME Sud pour ce don. La consommation en énergie électrique de ces lampes seront payées par la population, informe le directeur du centre. Depuis un certain temps, la mairie des Cailles ne paie plus cette facture d'électricité. Des professeurs du lycée Philippe Guerrier des Cailles ont observé une grève ce mardi afin d'alerter les responsables au niveau de l'éducation nationale sur un ensemble de problèmes auxquels fait face le premier lycée du département du Sud. Des professeurs qui travaillent depuis environ 5 ans ne sont pas nommés, des retraités ne sont pas remplacés, sont une série de problèmes présentés par ces grévistes. Ces enseignants du lycée Philippe Guerrier des Cailles réclament dans un délai court leur nomination, leur régularisation ainsi que leur titularisation, sinon le lycée Philippe Guerrier ne fonctionnera pas. Rappelons que tout comme d'autres établissements scolaires de la ville des Cailles, le lycée Philippe Guerrier vient de passer 3 mois sans pouvoir ouvrir ses portes. Cette année, PromoSud ne pourra pas offrir de l'ambiance à la population cayenne durant la période pré-carnavalesque, a annoncé lundi 20 janvier Pierre-Jules René, responsable de cette entité. Selon lui, leur absence pendant cette période de défoulement dans les rues de la ville des Cailles est due à cause de la destruction de leurs 2 chars lors des mouvements de protestation par des manifestants. Pierre-Jules René déplore cette mauvaise pratique du peuple haïtien qui tend à ravager les biens privés lorsqu'il proteste contre l'État. Tout n'est cependant pas perdu. PromoSud accompagnera des bandes à pied qui mettront l'ambiance lors des dimanches pré-carnavalesques, rapporte Pierre-Jules René. Le mouvement pastoral pour la paix et la sécurité, une commission créée par la direction sud du ministère des cultes devant rencontrer dans une démarche de paix, les groupes armés de la ville a donné un point de presse ce lundi 20 janvier 2020 en vue de déplorer la mort par balle de Ronald Félix par le chef de gang Johnny César dit Kilikou. Le conseiller du mouvement pastoral Gaëtan Jean Gilbert a rapporté que la lenteur de la Commission nationale de désarmement serait l'une des causes de ce décès, lenteur qui selon lui est due au manque de moyens alloués à cette commission qui devait se rendre ici au Cailles, mais par manque de moyens économiques ne pouvait y venir. Si la Commission nationale de désarmement avait eu le temps de se rendre dans la 3e ville du pays, elle aurait eu le temps de rencontrer le chef de gang Kilikou et Ronald Félix serait encore vivant, a déclaré Gaëtan Jean-Gilbert. De notre côté, le mouvement pastoral pour la paix et la sécurité exhorte à l'État haïtien de fournir plus de moyens à la Commission nationale de désarmement afin qu'elle puisse étendre ses actions à travers le pays. Il réclame aussi une commission départementale de désarmement qui, avec les autorités et les citoyens de la communauté sudiste,
pourront contribuer à recouvrer la paix et la sérénité. Par la voix du conseiller Gaëtan Jean Gilbert, le mouvement pastoral lance un appel au calme. Il prêche la paix et non la vengeance, tout en demandant de créer des centres professionnels pour les jeunes au lieu de mettre entre leurs mains des armes à feu. Sur le plan national, face à une opposition politique affaiblie et chancelante et la caducité du Parlement constatée, d'aucuns croient que le président Jovenel Moïse dispose désormais des pleins pouvoirs pour diriger le pays selon son agenda personnel. Un avis que ne partage pas Emmanuel Adouyon, membre de la structure Petro Challenger, nos papes Domi. Pour elle, cette situation que nous vivons actuellement doit amener le peuple haïtien à comprendre qu'on ne peut pas laisser autant de pouvoir entre les mains d'un président si décrié et qui donne l'impression qu'il applique un agenda personnel. Personne ne doit avoir le privilège de diriger le pays sans un contre-pouvoir. Il doit y avoir contrôle encore plus lorsqu'il s'agit d'un président impliqué dans des dossiers de corruption. Cela nous préoccupe comme Petro Challenger qui réclamons le procès Petro-Caribé. Dans l'international, l'élu démocrate Adam Schiff, chargé de porter l'accusation au Sénat américain en vue d'une destitution de Donald Trump, a accusé ce mardi les républicains d'organiser un procès truqué. Il comprime la durée du procès afin que les audiences durent tard dans la nuit, quand les Américains ne regardent pas, a protesté le procureur en chef de ce procès historique au sujet des règles proposées par le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell. Dans le sport, en plein doute sur son avenir, Makola André Pita, le coach français des Grenadiers, auteur d'une année extraordinaire avec Haïti, a été élu coach de l'année 2019 par le prestigieux journal international spécialisé dans le football, Goal. Une très bonne nouvelle pour le technicien français à la tête de la sélection nationale haïtienne de football depuis 2 ans. Les exploits du coach de 69 ans pendant l'année 2019, surtout à la dernière édition de la Gold Cup, ont été remarquables et historiques. Le français a conduit Haïti jusqu'en demi-finale de la compétition, éliminé de justesse par le Mexique 1-0 sur un pénalty polémique en prolongation. Mesdames, Messieurs, c'est le dénouement de coup d'œil. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons déjà rendez-vous demain pour une prochaine sortie. Au revoir.